entendu. Oh, on est en tout petit, on est en tout petit, mais on nous entend, on nous entend. Salut la team, c'est là-bas qu'il faut regarder en fait. Hein. Salut les agrumes. Voilà, voilà, il faut dire bonjour à tout le monde là-bas. Et on va passer en vision comme ça, double caméra. Voilà, super, on est arrivé. Bonjour à tous, salut André, salut Benji. Salut, salut Christophe. On n'a pas beaucoup dormi. En fait, il faudrait peut-être que tu te qu'on se pousse comme ça. T'es au maximum. Moi, je suis au la table. Il y a la table. On essaie de se serrer. Voilà, voilà. Donc, comme on a mis dans le générique, on est chez Samsung. Ici, c'est Samsung, tout ce que tu vois derrière. De toute façon, tu as reconnu les lumières. Déjà, pour commencer, est-ce que vous allez bien? Ça va et toi? Moi, j'ai un peu de mal aujourd'hui parce que avec la keynote d'Apple, ça m'a tenu jusqu'à 1h du matin. Hein. C'est ça. Moi, je mettais des commentaires encore jusqu'à tard. Mais je t'ai vu. Mais, ouais, c'est ça. Mais pourquoi tu fous des commentaires sur un truc la nuit? Il faut bien animer la communauté. Bon, on accueille Benji à Paname. Il faut le dire, Benji n'est pas de Paname. Benji, il est de Strasbourg. Hein. Strasbourg, voilà. Ça n'a pas bougé. Et d'ailleurs, ça s'entend son petit... Et pour ceux qui ne connaissent pas, André, il est à Paris Opéra. Ben, moi, on ne me présente plus. Ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, on est chez Samsung aujourd'hui pour une petite matinale qui va être... on va dire rapide, mais efficace. On va te montrer 2-3 bricoles. On a mis en place une petite caméra. Montre ta caméra. Une caméra portative sur laquelle il va aller montrer des choses. Je ne sais pas si on va l'entendre, mais ça va être comme ça. Allez, on va dire bonjour à ceux qui sont là. Salut Olivier, vous ne faites pas une petite chorégraphie? On te fera la chorégraphie à la fin, Olivier. Salut Nicolas. Salut Leïla qui est là. Salut Maïla, comment tu vas? Maël Cam. Michael qui est à Blagnac, qui salut à toi. Seb Sébien qui est là. Johan Bosch, Bondia, c'est un frère à toi. Bondia, j'ai vu ça. Un Pegasus qui est là. Bah écoute, pour pas faire traîner, je vais aller directement faire les anniversaires. Et pour faire les anniversaires, je vais ici. Oui, parce que d'habitude, je mets le iPad, mais là, on est en campagne. Hein. Alors, joyeux anniversaire, aujourd'hui on est le 26 mars. 26 mars, ça veut dire que la paye a été dépensée depuis 6 jours. C'est ça. Et qu'elle n'a jamais été aussi loin. Non, mais il faut dire les choses. Dieu. Voilà. En plus, c'est mardi cinéma, donc si tu as une amie à inviter, voilà, une place achetée et Orange t'offre la deuxième. Fais pas comme moi je l'ai invité hier. Non, mais attends, il est fou. Voilà, maintenant c'est tout. Non, mais attends, on comprend. Voilà pourquoi il était en retard. Hein, ouais, moi, dans le train, etc. Joël, il m'avait déjà grillé. Ah bah voilà, ouais, d'accord. T'allais voir quoi, moi? Si déjà on est mardi et que... Ah non, mais je suis pas allé au cinéma. Ah d'accord, ok. Tu l'as invité à quoi? Ça, c'est mes affaires. Voilà. D'accord. Joyeux anniversaire à Aurélie Dabadier, à Rania Sariano, à Ellie Elsa. Arrêtez avec ces pseudos-là qu'on n'arrive pas à lire. Arrêtez, faites des vrais pseudos. Pierre Delors, joyeux anniversaire à toi, mon ami. Clément Taffin, Linda Pereira, Olivier Pitel, Pascal Surgerouet. C'est bizarre, Pascal Surgerouet, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de ma famille. Mais je sais pas. Ah, mais t'as tellement de gens dans ta famille qu'on s'y perd. Je sais pas. Mais enfin bon, joyeux anniversaire à toi. Hein. À Thierry Berthomier, à Wilfried Berby, à Clem BRN, à Maël Cam, à Isabelle Ledors Henry, à Sabrina Ahmed Barito, à Sylvain Guillemot, à Pierre Couder, à Sia Coucou. Coucou. Ah bon, écoute, hein, des fois je suis étonné moi-même. Joyeux anniversaire à Florian Jourdain. Est-ce que tu as compris comment ça m'énerve, ça? À Florian Jourdain, à Bruno Bitton, à Louise Louviot, à Isaac Tounissan. Et à Marcel Hortense Njeng et Simon-Pierre Alain Andy. Ouf, il y a quand même du monde aujourd'hui. Hey, mais c'est une grosse journée d'anniversaire. On est à 11 000, plus de 11 530, 2 200 sur Plaza. Ça fait un monde de dingue. Et puis on est quoi comme date en ce moment? Le 26 mars. Ah oui, tu as une théorie sur ça. Mais à l'été, hein. D'accord, l'été est chaud et sur les plages, ça s'est donné à fond la caisse, ce qui fait que moi j'étais étonné le jour de mon anniversaire, le 17 mars, il y avait 35 personnes qui avaient l'anniversaire en même temps. Ah bah, c'est normal. Neuf mois plus tôt, c'est mon anniversaire, c'est pour ça. Ils ont fêté ça. Bon, on a fait les anniversaires. Alors aujourd'hui, bonne fête à toutes les Larissa. Vous en connaissez les Larissa? Pas du tout. Moi, je connais le groupe. Larissa. Moi je connais Larissa qu'on met dans le mouton. J'ai pas osé la faire. Vous comprenez pourquoi j'ai la caméra pour mon année. Hein. Je reste tout avec Larissa et puis Emmanuel. Donc si tu t'appelles Emmanuel, c'est ta fête aujourd'hui. Salut Luc, salut Olivier, Jean-Jacques, Sandra qui est là. Sandra, il n'y a pas de le truc qu'on rentre là, ça s'appelle Skype. Il n'y a pas de Skype aujourd'hui, donc tu peux pas nous parler, mais le cœur y est. Dis à Sandra qu'il faut qu'elle bouffe.
Moi, je Sandra, disais, ouais. Elle est devenue toute maigre, toute maigre. Faut que tu manges, sinon je vais descendre. Et voilà, c'est parce qu'elle mange pas. Et mange pour moi, parce que j'ai faim hein, ce matin. Bon, voilà. Ah, le G a lâché. Ok, juste au moment où j'allais te dire, bon, on va profiter pleinement. On est chez Samsung. On fera avec les moyens du bord. Voilà. Et stabilisation a, à la main. Voilà, il y a une caméra qui vient de nous lâcher. Donc, on va faire avec les moyens. Donc, je remets les AirPods au moins que je t'entends. Oui, et tu vas faire un petit tour. Benji va faire un petit tour du showroom vite fait, hein, on va le passer à l'image. Et moi je prends. Et puis toi tu vas prendre le A50 pour nous le montrer. Voilà. Ben, à tout de suite. Alors voilà. Ah, c'est vrai que tu sais pas ce que tu fais. Voilà, hop. Là je t'ai mis. C'est bon ? Ouais, on te voit. Voilà, super. Donc là, il te montre, au niveau du son, je ne sais pas si ce que tu envoies, il y a du son. Oui, normalement, il y a du son. Voilà. Voilà. Il te montre normalement, un petit peu. Vous devez m'entendre. Tous les produits Samsung. Bon, comme c'est un journaliste professionnel, il fait un commentaire qui est tout à fait En plus, il y a une ambiance derrière, c'est-à-dire que c'est vraiment ambiance chaude. Je compte sur vous pour... pour parler. Ah, tu comptes sur nous. Ah. Eh ben, on va regarder. Ah, oui. Ben là, tu nous montres les montres, toutes les montres. La partie accessoire, c'est ça. Voilà, donc, on retrouve pas la dernière qui arrive là très bientôt ou qui est arrivée aujourd'hui, demain. Ah, tu as une montre. Pas André. Là, c'est une montre qui est arrivée ou qui va arriver. On en a une qui arrive là, l'active. D'accord. Ici, on a les Icon X, donc les prédécesseurs des Buds, qui sont arrivés cette semaine. Moi, je les ai eus hier dans la boutique. La petite Level Box. Étanche, super bien. Moi, elle me dépanne en ce moment qu'il n'ait pas de poste Bluetooth dans ma voiture en ce moment. Ça marche très, très bien. Hop, on va continuer par là. On va retrouver encore d'autres accessoires. Le petit VR, le S10, la Gear 360. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille voir? Les télés, la partie pro. J'allais te dire, reviens vers nous, parce que comme ça, on va demander à André, il va nous montrer ce qu'il a dans les mains. Je te conseille de venir ici, comme ça, on te voit bien à l'image. Voilà. Bah, tu peux montrer aussi ce qu'il a dans les mains. Voilà. Parce que bah, pour l'instant, on parle beaucoup de la série des S10, S10, S10 Plus, S10 E. On vous les a montrés à Barcelone à fond. Mais il y a un modèle qui arrive. Qui vient de sortir, qui est le Samsung Galaxy A50. Je te le montre. Du milieu de gamme, en plusieurs coloris. On a le bleu là-bas. J'ai que demain, Christophe, si tu veux. Ah oui, tu veux que je montre le bleu. Voilà. Le bleu est super sympa, je trouve. Le bleu, j'aime bien celui-là aussi. Moi, j'ai kiffé aussi le. En mobile pro, il ferait bien. C'est ce que je disais à Benji tout à l'heure. Bah, en plus, il est orange. Parce justement. Ouais, mais moi, je le trouve super bon, ça. Moi, je le trouve super beau en orange comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais honnêtement, si ça rentrait dans la gamme des mobiles pro. Au niveau de l'orange, il serait c'est, super. C'est du mobile milieu de gamme, mais très, très bien fait. Hein. Les finitions, elles sont belles. Il est léger. Ouais. Il est grand, mais il est léger. Ouais. Donc, au niveau de la grandeur, on est. Là, je mets le ouais. T'es à la même taille 20. Que le Mate. Voilà. Le Mate on a la même taille que le Mate 20, mais on est sur un truc qui est très correct. Vous avez une idée des caractéristiques? Pas de la super technologie, mais je veux savoir. Alors, ça va être du processeur milieu de gamme, certainement du Snapdragon 655 à vérifier. Ouais. Mais c'est très rapide. Sinon, on a quelqu'un de chez Samsung. On peut lui demander. On peut lui demander. Tu peux venir ouais. Voilà. Voilà. C'est ça. Non. Faut parler un peu plus des caractéristiques. Attends, voilà, la caméra est là-bas, je te présente. Lui, c'est Mustapha. Hey. Là, on peut pas dire. C'est un beau gosse, non? Bon, voilà. Nous, chez les agrumes, c'est que du beau gosse. Mustapha, toi tu es chez Samsung ? Oui, Samsung. C'est lui qui nous a accueillis, merci de nous accueillir. Ben, avec plaisir. C'était vraiment le top, parce que tout le monde ne rentre pas ici. Là, on n'est pas dans une boutique, je veux dire. Là, on est dans un showroom, il faut montrer pas de blanche. J'étais obligé de venir avec eux parce que moi, c'est difficile. Parle-nous un petit peu des caractéristiques, si tu les connais, sur le A50. Alors, c'est un téléphone super AMOLED, donc écran plutôt sympa. On a un grand écran pour la gamme, donc le prix est super intéressant. Alors, on est autour de 350, si je ne me trompe pas. Chez nous, avec les primes et tout. Voilà. Ce n'est pas les prix qui comptent. Bah, ce n'est pas ça, c'est que suivant abonnement ou pas abonnement. Et puis nous, on le vise, on espère qu'il rentre dans la catégorie des téléphones qui sont donnés au personnel. Enfin, donnés, qui sont confiés au personnel. Donc, ce n'est pas le prix, c'est surtout
qu'il fait derrière. C'est ce qu'il fait, ouais. Alors, rapport qualité, au niveau qualité, pour cette gamme, on n'a jamais eu une aussi belle qualité. Là, au niveau design, tu peux voir les qualités. Ah non, effectivement, des couleurs, en termes de milieu de gamme, il est excellent hein, au niveau définition. Le rendu, là, tu as trois caméras derrière, donc pour faire du ultra wide angle. Mm-hmm. Au niveau des photos. Je traduis, hein. Grand angle, ultra wide. Pardon, grand angle, désolé. un zoom. Donc un zoom et pour faire aussi du flou artistique, bokeh effect qu'on appelle. Donc pareil pour le devant, on a un écran Infinity avec avec la caméra qui arrive en goutte d'eau. C'est comme ça que vous dites en français. Ouais, la goutte d'eau. Ouais. Donc voilà, ça permet de pouvoir regarder des qualités, des photos, des vidéos de qualité et avoir une toute petite caméra qui vient pas trop embêter l'utilisateur quand il va regarder la vidéo. Super. Super. Du coup, là-dessus, au niveau des objectifs photo, on retrouve les mêmes que sur le S10. On est sur une autre qualité. On est, c'est comparable à la gamme d'avant, on va dire, okay. sur le S9 et S8. Okay. Sur le S10, c'est quand même le flagship actuel, mais on a quand même un niveau de qualité de photo qui est comparable à ceux des flagships de l'année dernière. Donc le S9 et compagnie S8 S9. Voilà, c'est à peu près ce niveau-là qu'on retrouve. Voilà. Donc petit message à chez nous, à la DISU, ceux qui décident des téléphones qui vont être donnés aux collègues, aux salariés. Prenez du A50 dans le catalogue, voilà. S'il vous plaît. Là, on dirait qu'on est respecté. C'est ça. Hein, c'est voilà, parce qu'on a un téléphone en de plus, qualité. Celui-là, voilà. La couleur. Couleur orange, voilà. Il est juste magnifique. Ah non, mais il a flashé sur la couleur orange. Mais pas que. En ce moment, il flash sur beaucoup de choses. On en profite que tu sois avec nous, Mustapha. Bon, à Barcelone, on ne t'a pas rencontré, mais on est Jérôme. Oui. Et aujourd'hui, Jérôme, il est en panne. Lui, il a un petit problème. Jérôme, ouais, oui. Scooter. Bon. Donne-nous comme ça, sans dévoiler de secrets ni quoi, mais voilà, dis-nous, parle-nous du folle. Ah ben, vous l'avez vu, là, on l'a vu. Vidéo. On l'a vu, il était enfermé. On a vu le prix. À 1 euro près, vous auriez pu jouer le jeu jusqu'au bout. C'est quoi l'histoire? 2020 euros, à 1 euro près, ça ferait 2019, l'année. Ouais. Ça n'est pas pensé à ça. Alors là, c'est l'écotaxe en fait qui vient perturber. Ah ouais. c'est ça. En fait, on était sur 2019, mais on n'a pas pu. D'accord. C'est calculé. Une idée de la sortie La sortie. 3 mai, c'est au mois de mai. Ouais, je vois que les vendeurs connaissent très bien le dossier. Heureusement quand même. Hein. Non mais là tu as, non seulement tu as, alors chez Orange on n'appelle pas ça des vendeurs, on appelle ça des conseillers commerciaux. Conseiller client. Toi tu es en train de te cacher par la caméra parce que c'est là-bas qu'on te voit. Non mais il veut pas qu'on le voit. Non, tout le monde a sa chance on ici. On me voit, c'est. Tout le monde est sur le marché, il faut le dire. Mais là, oui, c'est des conseillers clients. Et là, tu as les experts avec un Z. Parce que ils sont vraiment. Voilà, ils connaissent les experts de la CDZ. Donc. Oui, voilà. On n'est pas les seuls à connaître dans le monde d'Orange. Il y a d'autres. Oui, mais pour moi, il n'y a que la CDZ qui compte. Hein. Donc, si tu es un expert et que tu n'es pas dans la CDZ, d'ailleurs, pourquoi tu regarderais cette vidéo? Donc, sûr. Si tu regardes ça et que tu connais quelqu'un qui est expert, qui n'est pas dans la CDZ, tu l'invites. Hein, tu lui donnes le lien. Comme ça, il pourra partager ses astuces. Et il pourra venir aussi comme ça au showroom de Samsung. Parce que. Il faut dire une chose, c'est que Samsung, vous êtes sponsor de Customer Champion. Absolument. Et les conseillers clients connaissent bien le truc. Et donc, attention, le concours débarque quand tu as des dates. C'est mi-mai jusqu'à mi-juin. D'ailleurs, ceux qui sont. Hein, regarde le générique de fin. C'est la petite vidéo teasing. On ne sait pas encore où c'est. Voilà, on ne sait pas, mais ça va être une destination exceptionnelle. Une belle destination. Oui. On a fait l'île Maurice, on a fait le Brésil, on a fait le Mexique. Bon, normalement, on essaie de faire toujours un peu mieux. Donc, on verra. Et comment c'est pas par un M? Il ne sait pas, personne ne sait. Je sais pas. On a même été faire des reconnaissances sur la photo du teasing sur la page Facebook pour essayer de voir où c'est. Moi, j'ai une petite idée. Inversée, tout oui, recherche inversée sur Google. Et il y a un gars qui a trouvé. D'accord. Oui, il y a un gars qui a trouvé d'où venait la photo. Ça veut pas dire que la photo est du bon coin. En tout cas, moi, je peux dire une chose à tous les conseillers, à tous ceux qui vont jouer le challenge, c'est que moi, j'ai rencontré des gens de Samsung au moment où on a dit c'est eux qui ont été retenus. Et ils ont dit, un peu comme dans le film, cette année, on va vous éclater. Voilà ce qu'ils ont dit. C'est vrai que Samsung font toujours de beaux challenges. Hein. Déjà, Customer Champion, c'est un beau challenge. C'est ça. Alors en plus, voilà. Donc, sortie du Fold. Ouais. Alors, 3 mai, oui. Le prix 2019 plus 1. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est l'écran qu'on peut plier. Qualité exceptionnelle. Donc en fait, moi je l'ai essayé en usage sur certaines applications. C'est fou. En fait, on a vraiment l'impression d'utiliser une tablette. Quand on le plie, on peut le mettre dans sa poche directement.
on le déplie. Pour du gaming, c'est exceptionnel. J'ai essayé Asphalt. Donc vraiment, on est dedans. J'ai vraiment l'impression de conduire. Un vrai volant. Ouais, un vrai volant. J'étais comme ça, tu peux bouger pour tourner. Pour lire aussi, c'est pas mal. Tu Google Play Livres, tu télécharges des livres, tu peux vraiment lire. Tu as l'impression de lire un livre en fait. Et tu tournes les pages et après, quand tu as fini, bam, tu fermes. D'accord. Tu mets dans ta poche aussi. Et aujourd'hui, il y a vraiment. Toutes les applications vont marcher dessus ou il y aura des applications qui ne vont pas fonctionner correctement? Non, toutes les applications. Ça a vraiment été adapté pour que. Absolument. En fait, toutes les applications s'adaptent automatiquement et tu as des applications qui ont été développées spécialement pour ça. Tu as Instagram. Donc, quand tu regardes des photos, c'est vraiment fait pour. Tu vois bien les photos Instagram. Quand tu lances par exemple Google Play Livres pour les livres, ça s'adapte. C'est comme quand tu lances ton appli sur une tablette classique. C'est exactement le même esprit. Moi, j'ai une petite question et j'arrive pas à trouver la réponse parce que pour moi, l'intérêt d'avoir un grand écran, ça va être sur les médias. Là, hier, j'étais dans le train, j'avais ma tablette, mon téléphone, etc. Si j'avais pu avoir que mon téléphone pour regarder ma vidéo, ça aurait pu être sympa. Par contre, le ratio, c'est quoi aujourd'hui? Parce que si le ratio, c'est un ratio 4 tiers, au final, je vais me retrouver avec une surface de film plus petite que ce que je peux avoir sur mon smartphone actuel. Ça dépend le smartphone que tu utilises. C'est vrai que le ratio il permet de voir des photos de manière sympathique, pouvoir lire aussi. Si tu compares au ratio 4 tiers, c'est un peu mieux quand même. D'accord. Je me souviens plus exactement du ratio, faudrait que je parce qu'on n'en a pas parlé. On a réussi à lui mettre le doute. Désolé. Parce que cette info, franchement, j'ai pas réussi à la trouver. J'ai trouvé ça. Ok, super. De toute façon, je pense que le mieux, parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont partis dans des trucs de geek, là, des trucs de machin. Moi, je pense que le mieux, Moustapha, tu es là. On est bien chez Samsung. Non, mais le truc, c'est aussi que le jour où ça sort, tu nous fasses une petite exclue, qu'on l'ait dans les mains ici. Bien sûr. Moi, je veux pas l'emmener chez moi, mais qu'on l'utilise ici pendant une petite heure et qu'on dise comme ça en direct. Ça. Parce qu'un truc de 2000 euros, moi je veux bien, mais on l'a pas tous les jours dans les mains. Hein. Non. Ça va être, le caviar. Bon, on n'est plus. Les clients qui vont l'acheter, ce sera vraiment. Voilà, ça sera les clients de tes clients, toi, au Paris Opéra, les émirs, des gens comme ça. On va essayer les Parnasses. On va essayer de refiler ça. Ou les Parnasses. Bon, on va en profiter parce qu'on a la caméra qui bouge. Moi, je t'aurais dit d'aller du côté du S10. Plutôt le S10. On va l'envoyer sur le côté du S10. Si tu veux aller à côté de lui et dire, j'allais dire critiquer, non, et commenter ce qu'il dit. Déjà, ce sera un peu mieux. Voilà. C'est toi qui est à la fois à l'image et puis. Alors, on a ici l'entrée de gamme du S10, le S10e. Donc, on retrouve. Moi, ce que j'aime beaucoup dans celui-ci, c'est le form factor. Il tient très, très bien dans la main. C'est vraiment son gros, gros plus. Sauf pour le lecteur d'empreintes, que je trouve plutôt mal placé. Il est plutôt. Mais sinon, tout le reste. Je pense que. On mettait le lecteur d'empreintes à cet endroit-là. C'était le téléphone parfait. Moi, je l'utilise. Le S10E, je l'utilise. Ok. C'est pas grave. Moi, j'ai le jeune Canary. D'accord. C'est une exclue. Moi, j'utilise, mais ça va. Moi, je trouve qu'il ne me tombe pas bien sous le dos. Mais ça dépend de la taille. C'est ça. J'ai des petites mains. Ensuite, donc là, on a la version classique avec le lecteur d'empreintes, cette fois-ci sous l'écran. Et là, la version plus. Donc, à part le plus grand écran, plus de batterie et le double objectif à l'avant, est-ce qu'on a une différence de performance entre les deux? C'est exactement les mêmes. Tu as les mêmes nombres de RAM, l'appareil photo est supérieur au niveau avant, et tu as plus de batterie, mais parce que l'écran est plus grand, donc il faut toujours un peu plus de batterie pour gérer l'écran. Sinon, c'est les mêmes performances. Ok. De l'autre côté, on a les mêmes, si j'ai bien vu. Ça va peut-être pas donner grand chose. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? Le vert. Ah, il est beau. Moi, j'aime beaucoup. J'ai eu un client cette semaine qui était venu qui avait le S6 bleu ciel aussi. Et en fait, il était super content parce qu'il se retrouvait avec un téléphone qui a à peu près le même coloris. Donc, il a pris la Clearview comme il avait à l'époque, etc. Il était super content. Les accessoires sont aimés par les... Ah oui. Je pense que pour moi aujourd'hui la Clearview c'est un accessoire essentiel sur la gamme DS. Bon, ça c'est les petits stèles qu'on retrouve aussi chez nous.
Est-ce que ça marche ici? Ça marche aussi. Voilà. Ouais, c'est bon. Écoute, merci pour ce petit tour d'horizon. Pendant ce temps, grosso modo, il était allé faire je ne sais pas quoi dans son coin. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais lire un petit peu les messages, mais j'ai perdu une partie. Ben, y a Jérôme qui nous regarde. Ben, Jérôme, écoute, voilà, tu aurais dû être avec nous ici. En tout cas, Mustapha nous a super bien expliqué le truc. Tu le verras dans le replay. Il était très efficace. Il nous a payé le café. Il faut dire une chose quand même. Hein, voilà. C'est super sympa. Non, mais nous, il était bon en plus. Ah, ben, en plus, nous, on s'attache à des petits détails. Je sais, voilà, les trucs. Et puis, ben, on a la chance d'être ici dans un endroit magnifique, hein, comme je le dis. On a vu 2-3 bricoles. Je sais que Benji, il a fait quelques vidéos en dehors du direct. Et puis, bon, peut-être, alors pas aujourd'hui parce que c'est hyper, hyper short, mais il va nous balancer ça en montage par la suite. Est-ce qu'il y a des choses dans le groupe, dans la journée d'hier, qui vous ont tapé l'œil et sur laquelle non, vous voulez dire des trucs? C'était tranquille. Plutôt calme. Beaucoup de réactions après la keynote d'Apple et surtout la partie banque. Et ça, c'est le truc. Hein. Ouais, mais ça ne va pas arriver en France tout de suite. Pas tout de suite, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Moi, ce que j'aimerais bien quand même, c'est avoir la position officielle des gens d'Orange Bank. Donc, si vous me suivez, si vous m'écoutez, les amis, invitez-moi à Montreuil et puis on parle un petit peu du positionnement d'Orange Bank vis-à-vis des autres néobanques parce que, voilà, on aimerait bien savoir ce qu'il y a derrière. Mais là, entre nous, tu vois, entre nous, oui. Moi, le poste qui m'a fait plus rire, c'est celui de Juliette. Avec la cliente avec le dos. Ah ouais, non, mais c'est ça. Et ça, le boss, il en a parlé, hein, SR. Il en a parlé. Inclusion, il faut oublier personne sur la route. Parce que ceux qui aujourd'hui ont des téléphones et ne comprennent pas tout. Moi, quand je l'ai vu, j'ai compris sa douleur. C'est marqué 25 mars. Elle dit, ça fait 25 jours que le jour ne change pas. Eh bien là, on est typiquement dans l'exemple des gens qui sont un peu largués par la techno. C'est ça. Vous êtes des experts, donc forcément, vous êtes accrochés. Mais on le voit de plus en plus. Hein. C'est pour ça que dans nombreuses boutiques, maintenant, on a justement des cours particuliers ou des cours collectifs. Quand tu achètes ton premier smartphone, tu peux avoir un cours collectif gratuit pour la prise en main, etc. Et puis, si tu veux aller plus loin, tu as des cours particuliers avec des coachs qui vont aller plus loin avec toi selon ton niveau. Voilà. Bon, bah, écoute, ça, faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier parce que Orange, réseau mobile numéro 1. Oh les gars, on n'avait pas dit que vous mettiez votre t-shirt? Je rentre toujours pas dedans. Hein. Je vais envoyer un message à Fabienne Dulac comme quoi j'ai pas reçu le mien. Fabienne, mais c'est normal, tu ne l'as pas reçu. Au moment où ils ont fait la photo, tu n'étais pas chez Orange. Oui, parce qu'il vient d'arriver. J'étais en CDI déjà. Quand ils ont envoyé les t-shirts. Non, la photo a été prise au mois d'août. Ah oui, d'accord. Ah, oui, c'est ça. Alors, excuse-nous. J'étais encore intérimaire. On a beaucoup du mal. J'étais encore précaire à l'époque. Voilà. Et puis moi, donc, si je peux passer un message, mets du XL. Donc, si jamais j'ai un L qui traîne à la maison, on peut s'arranger. Les modos, vous avez le droit de me modérer pour l'annonce. Sur la vidéo, ils vont avoir du mal. Ils vont avoir du mal. T'es malin, toi. Bon, on n'a pas grand-chose d'autre à dire. Non. On est hyper charrette aujourd'hui parce que là, tu vois, on va tout remballer. On va remercier Samsung et on va filer à la défense. Alors, comment ça s'appelle? Show Hello. Ça s'appelle Customer Center. Il y a un mot au milieu, Customer quelque chose Center. Et là-bas, il y a une déclinaison du Show Hello. Le Show Hello, je ne sais pas si vous aviez vu les produits. Oui, oui. T'as vu hier, t'amuser avec notre ami. Avec Dingo. Voilà, donc là, vous allez les voir en vrai, vous allez pouvoir les toucher. On va passer très très vite parce que cet après-midi, on se donne rendez-vous. Alors cet après-midi, ça ne sera pas du direct. Non. On ne fera pas du direct, mais on est compliqué. À la keynote Huawei et on vous donne des infos en fin de journée sur tout ce qui est Huawei. Par contre, on pourra peut-être mettre le lien pour regarder la vidéo sur YouTube. Mais bien sûr, on est sympa, on met le lien, on met le lien, bien sûr. Alors on n'oublie pas, là, avant de se quitter, on va se quitter sur des images de Benji qui va aller faire un tour de l'autre côté. C'est toujours dans le grand public, mais parce que Samsung, on ne le sait pas. Mais Samsung fait des télés. Et pas que. Et pas que. Des frigos. Des aspirateurs. Des aspirateurs. J'en passe et des meilleurs. En fait, tu peux tout avoir à la maison presque en Samsung. Exactement. C'est peut-être aujourd'hui les seuls qui pourraient créer un environnement. Il y a un truc qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas OK Samsung. Bah, ils ont. Ils ont Bixby. Ils ont Bixby. Bixby, on a oublié de demander à Mustapha si Bixby arrivait en France. Bah moi je l'ai pas vu. Voilà. Bixby est en bêta en français. Ouais. Ouais, disponible sur le Note 9, donc vous pouvez en bêta. Mais l'enceinte. Ah l'enceinte. L'enceinte. Ah, mais je repars alors. Si c'est. qu'on a pu voir justement, ouais. On l'a testé quand on était à Barcelone. Ouais. En anglais du coup. Ouais. Sur des choses assez sympas, des petits scénarios. Mais ça, il n'y a pas de date pour l'instant. La date de disponibilité en Europe, mais ça devrait arriver. Après
Bixby parle en français, donc il y a juste à... Il y a juste à, ouais, à, juste à balancer dans l'ensemble, surtout que le son est plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça. T'as essayé ? Moi, j'ai bah, pas essayé. On a pu le tester quand on était à Barcelone. On avait un mini showroom comme ça pour tester Bixby. Ouais. C'était bluffant. Hein. Moi, ce qui m'a plu, c'est les chemises. Ah oui, bah, oui. C'est chemise. Ah bah oui, parce qu'il y a une espèce d'armoire connectée où les chemises sont dedans, elles sont lavées à la vapeur. On met juste sa chemise sur le cintre avec le pantalon, il y a un programme, tout se fait tout seul. Bon, d'accord, c'est pour les célibataires, parce qu'il y avait trois chemises. C'est le futur. Ça. Voilà, c'est pour les célibataires. Ça. En tout cas, Moustapha, merci de nous avoir accueillis. On va se quitter avec des images de Benji qui va faire le tour. Et puis, t'inquiète pas, on se retrouve tout à l'heure, parce que la défense, on le fait en live aussi. Et puis, ben voilà, aujourd'hui, c'est une journée live. Prends soin de toi, continue à bosser parce qu'on a besoin. Hein. La participation, c'est fini. C'était à minuit pour décider. Et maintenant, tu n'as plus qu'à attendre cette journée. L'intéressement. Voilà. Allez, bye bye. Ciao les agrumes. Ok, alors là, on est sur la partie télé, comme vous pouvez le voir. Hop, hop, hop. Donc, ils ont plusieurs modes de télé. Les versions incurvées. Mais la version incurvée, c'est pas celle-là qui me plaît le plus. Je vais vous la montrer après. On continue. Donc, du coup, alors, ça sert à rien de commenter en direct. Je n'ai pas le retour. Donc, vous savez quoi ? Je vais sortir mon autre téléphone. Comme ça, au moins, vous pourrez me parler et me dire ce que vous racontez. Cette petite télé, qui est quand même aussi assez sympathique. Mais en fait, bah, y a pas de câble. Ils ont ingénieusement caché le câble dans le trépied. Moi, je trouve ça assez sympa. Ça s'intègre super bien dans son salon. Voilà, comme ça, au moins, j'ai le retour. Là, on arrive dans la partie cuisine. Je sais pas de quoi il parle. Jérém, je sais pas de quoi tu parles. Hop. La cuisine. Ma partie préférée. Je rigole, bien sûr. Autant la cuisine, je suis d'accord. Autant là, la partie lave-vaisselle. Lave-linge. Hop. Four et plaque à induction. Les nouveaux frigos connectés. Salut. Donc en fait, on va avoir deux caméras à l'intérieur de... Deux caméras, voilà, mon accent alsacien ressort. À l'intérieur de ce frigo, un écran connecté, assez sympa. La petite partie aspirateur. Et moi, ce qui me fait rêver... Ah, voilà, le G vient de lâcher. attendez, je le rallume dans 30 secondes. Je suis là pour te faire voilà. Voilà. Ce qui me fait rêver, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah là 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 là. Cet écran-là, Pegasus, qui est un admirateur du montage et tout, essaye d'imaginer quand tu fais du montage vidéo avec un écran comme ça, tu mets tes timelines, tes machins, tu divises ton écran en 3 ou 4, c'est le top. Franchement. C'est vraiment le top. Et donc, on va se mettre sur le côté pour que je puisse vous montrer la petite courbure. Oui, c'est assez impressionnant. Et puis, je pense qu'on va finir avec le petit easter egg. Oui, non, mais est-ce que tu as vu ça? Bah oui, je l'ai vu, je l'ai filmé avant. Là, on est sur des trucs qui sont brandés orange. C'est quoi? C'est des décodeurs télé. Des décodeurs télé. Alors, pas pour la France, mais c'est des décodeurs télé orange. Voilà. Bon, tu peux dire au revoir à nos amis. Au revoir. Mais ceux-là, vous ne les connaissez pas. Mais celui-ci, par contre, celui-là, on le connaît bien. Hein. Allez, hop, on va changer de sens. Allez les amis, on se dit au revoir, portez-vous bien et puis à très 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 bientôt. Bye bye. Ciao ciao.